Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo qui va être pleine d'émotions pour moi parce que vous l'avez vu dans le titre, je filme ma dernière semaine en école d'ingénieur. Voilà, c'est passé beaucoup plus vite que prévu. Et je me rends pas compte que c'est la fin, quoi. Je verse une larme peut-être à un moment dans ce vlog. Plus concrètement, sur le planning de la semaine, là, on part dans quelques heures au week-end de désintégration, qui est un week-end qu'on réalise avec les autres personnes de ma promo de 4A pour se désintégrer. Mais enfin, on va pas se désintégrer comme des êtres. Bref. Donc, dans quelques heures, on part, on revient dimanche soir, on va donc pour un week-end en Tarn-et-Garonne, il me semble, dans un petit camping. Malheureusement, je pense qu'il va faire un temps de merde, donc ce sera probablement juste un week-end où on va faire des jeux de société, faire la fête, s'amuser, se faire des câlins, se dire oh non, c'était trop bien l'école d'ingé. Et puis voilà. Ah oui, je vous ai même pas dit quel jour on était. Nous sommes vendredi 17 mars et il me reste vraiment une semaine, dans le sens où dans une semaine, mes parents sont là et je déménage pour aller à Paris, puisque dans 10 jours, je commence déjà mon stage de fin d'études. C'est un peu intense en ce moment, ma vie. Hein. Donc ce week-end, week-end de désintégration. Ensuite, lundi, mardi, mercredi, c'est un peu la fin de mes cours. Jeudi, j'ai la journée 3A, qui est genre, je sais pas ce qu'on va faire en fait, mais c'est la journée des dernières années. Et vendredi, je déménage. Donc ça va être, comme d'habitude, un vlog où il se passe plein de choses, j'espère. Un vlog qui vous plaira. N'hésitez pas à aimer la vidéo, commenter, vous abonner, me faire de la pub. Bref, sur ce, je vous amène avec moi. Pour la première étape de cette journée du vendredi, je m'arme de ce bâton qui est un bâton qui m'a servi à plusieurs reprises. C'est un bâton sur lequel on accroche des pancartes pour les manifestations. Puisqu'en fait, ce week-end, on a deux soirées, une ce soir, une demain soir. Et la soirée de demain soir a un thème et ce thème est grève générale. Parce que bon, bah, la réforme des retraites, 49.3. Ok, alors, je dis les idées que j'ai notées, comme ça, on réfléchit à celles qu'on fait et celles qu'on veut pour nous. Donc ma pancarte est pourrie, ma retraite te sera aussi. C'est trop bien. Tu nous mets 64, on te remet 68. Bon, il y a du vent. On est en route là vers l'école, on va manger et après on prend le bus à 13h. Merci chauffeur, merci chauffeur, merci chauffeur, merci chauffeur. Pour le web. On y est là? Oui, c'est là. Ah, mais oui. Une valise avec une superbe affiche qui nous attend. Waouh. Nous sommes bien arrivés. Après moult difficultés. Tu m'as en même temps. Non, c'est pas. Oh, c'est tout jaune. Mais c'est trop mime. Un peu de allez, ça wow. C'est à moi que tu parles là. Aujourd'hui, 18 mars. Allez. J'adore ça, fait vraiment en 2x2, on va à la cascade. Voilà, bon bah il a résumé ce que je voulais dire du coup. Oh,
like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke. And I will try to fix what has been broken. And take this weight off my shoulders, cause I know yesterday. Il y a eu les pionniers de Camus aussi. Là, il y a expliqué un peu en anglais. Ça va, mais c'est cool. On vient de rentrer du petit village, c'était trop mimi, mais comme vous pouvez le voir, on est légèrement mouillé. Franchement, c'était trop cool, juste on s'est pris la pluie sur le retour. On est allé voir, il y avait une petite galerie d'art, on a mangé nos petites pâtisseries et tout. Franchement, c'était trop bien. Là, je pense qu'on va faire quelques jeux, après prendre l'apéro et aller à la dernière soirée du week-end. Il y a un indien, mais il y a la queue, genre la queue d'elle, mais c'est tant mieux. En avant, trois pas en arrière, c'est la propriété du gouvernement. Oh là là, le hello était totalement loupé par contre. Nous sommes dimanche, nous sommes fraîches, pimpantes, fraîches comme un gardon, heureuses. Bah là on est en train de ranger nos affaires puisqu'on va rendre nos bagages vers 13h. Et après on rentre à Toulouse. Bon, il y a un tout petit peu plus de 18h. Je viens de mettre une machine pour laver tous mes vêtements, etc. en route. Je suis un peu éclatée, franchement. On a dormi dans le bus. Et là, j'ai un petit coup de mou. Hein. Déjà de fatigue, mais en deuxième position aussi. Parce que, bah, mine de rien, c'est la fin du WED. Je réalise pas trop que, genre, là, dans 5 jours, je quitte Toulouse, je quitte mon école, je quitte tous les gens avec qui j'ai passé quand même beaucoup de moments les dernières années. Je vais juste me poser tranquillement. Ce soir, je vais probablement regarder le replay de Koh-Lanta, je pense qu'on va manger genre des pâtes et ce sera très bien comme ça, ce sera un peu tranquille. Il faut juste que je planifie ma semaine parce qu'il va falloir que je commence à organiser mon déménagement. Bon, je profite là d'avoir un petit moment de pause pour faire un petit update pour... Oh, les nuages, ils sont trop beaux. C'est ultra stylé. Je suis fan. Bref, reprenons. Je disais donc, je viens d'envoyer, je pense quasiment une vingtaine de messages pour des appartements à Paris. Puisque je commence mon stage lundi, donc dans 8 jours, à Paris. Sauf que, bah en fait, c'est un enfer de trouver un appartement à Paris. Et vraiment, je ne pensais pas galérer autant. Donc voilà, je ne ferai pas de vidéo comment trouver un appart à Paris, puisque bah, j'en trouve pas. Donc là, je rigole, mais en vrai, c'est un peu la panique. Bon, en vrai, j'ai la chance d'avoir des amis très gentils. Donc là, j'ai ma meilleure pote qui a son appartement à Paris, chez qui je peux loger au début. J'ai d'autres potes qui, après, en auront d'autres, chez qui je peux loger, etc. Mais c'est quand même pas chez moi. Pas très pratique et surtout bah là mes parents ils vont venir récupérer toutes mes affaires à Toulouse mais ils vont pas pouvoir me déménager si j'ai pas de logement à moi, donc c'est compliqué. Donc là j'ai encore envoyé une vingtaine de messages quasiment, et entre les arnaques, les gens qui répondent pas, les gens qui acceptent pas mon dossier et en plus le fait que je suis pas sur place, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu stressant comme situation. Donc bon, je finirai bien par trouver, je suis pas non plus inquiète. Là, ça y est, je me dis, au moins, je suis pas à la rue, j'ai trouvé quelque chose pour le début. Mais vraiment, Paris, c'est compliqué. Hein. Hello, je n'ai plus de voix. Voilà, je me disais, oh, c'est trop bien hier, je suis rentrée du week-end, j'ai toute ma voix. Aujourd'hui, j'ai mal à la gorge, j'ai du mal à parler. C'est la dernière semaine de cours, j'ai envie de vous dire, c'est logique. Actuellement il est 8h40, j'ai kiné dans une vingtaine de minutes, donc là je vais pas tarder à y aller. Ensuite j'ai pas cours ce matin, je vais en profiter pour finir de regarder Koh-Lanta en replay, lire un peu je pense. Et ensuite cet après-midi j'ai 3 heures de cours, ce soir j'ai des réunions etc. Et après je vais dormir à la coloc de certains de mes copains, du coup ça va être cool, j'espère, comme journée. En ce moment, je lis... Attendez, je vais vous chercher mon livre. En ce moment, je lis Souveraine et je suis trop contente. C'est un livre que j'avais gagné au concours des 100 000 abonnés du Souffle des mots. Et en fait, je suis vraiment contente parce que je crois que depuis le début de l'année, j'ai pas lu un seul livre de fantasy. Et du coup, je suis trop contente parce que c'est trop bien. J'ai eu un peu du mal à accrocher avec le début, mais là, je suis à la page 400.
Et oh, hier soir, je me suis forcée à arrêter de lire parce que bah, j'étais fatiguée. Mais oh, c'est trop bien, donc ça me fait grave du bien. Je suis très contente. J'espère qu'on entend quelque chose avec le bruit horrible de la ventilation dans cette salle. Je suis très 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 fatiguée. En fait, ma kiné, elle m'a détruite. Vraiment, littéralement. Je suis explosée. Je viens de visiter un appart. J'ai aussi été refusée à l'appartement que je voulais trop. Enfin, que je pensais réussir à voir. Du coup, je suis un peu déçue. Donc là, je vais chez des amis ce soir. Je pense que ça va faire du bien et me changer un peu les idées. Parce que je vous avoue que ça commence à me déprimer d'être recalée d'absolument tous les appartements que je visite. Mais bon, bah, c'est le jeu, hein. Mardi, c'est ma dernière journée de cours. J'ai réalisé une visite d'un appartement pour Paris qui est pas mal du tout et qui me plaît pas mal et qui est cool au niveau quartier, praticité, etc. Je croise les doigts. Puis là, je vais lire un peu avant la reprise de mes cours. Il est 12h30 et je reprends à 13h ou 13h15. Bon, il est 15h40. J'ai fini officiellement tous mes cours. Oh, ça fait trop bizarre. Bah ouais, c'est très étrange comme sensation. J'ai fini les cours du coup il y a à peu près une demi-heure. Ensuite je suis allée à la bibliothèque de mon école juste pour terminer mon livre. Et ah, ça aussi c'est what the fuck. Ah, genre la fin du livre était incroyable. Autant j'ai eu du mal à accrocher, autant au début, autant il y a une mini guêpe qui me suit. Hein, hein, oh, oh, oh. Ah, il y a une araignée. Donc là je rentre chez moi, j'ai une réunion à 18h30, sinon je vais commencer à préparer ma valise. Oh oui, oh là là, la vie est dure. Je viens de faire une petite, enfin une sieste d'une heure à peu près, ça m'a fait pas mal de bien. Là j'ai une réunion dans 20 minutes, je vais aller me faire un petit thé, me prendre une petite tranche de pain, envoyer le lien Zoom et puis voilà. Et après bah, va falloir commencer à faire mail. Valise, mes cartons, wou wou wou. On va se mettre une petite vidéo YouTube et on va commencer à faire mes affaires. J'avoue que je sais pas trop par où commencer parce que je dois faire plusieurs catégories. Genre, je dois faire la catégorie, dans tous les cas, j'amènerai pas dans mon appart parce que vu que je vais avoir un appart meublé avec la vaisselle, etc., pour le coup, je vais pas tout amener comme ici. Je dois faire la catégorie, j'amènerai à Paris, mais une fois que j'aurai un appart, puisque tant que j'ai pas d'appart, voilà. Et j'amène à Paris, même si j'ai pas un appart, parce qu'il faut bien que je m'habille un petit peu pour mon stage. Donc voilà, je dois faire ces catégories et c'est un peu stressant. Voilà. Bon, il est 23h15, l'épisode de Koh-Lanta de la semaine vient de se terminer. Honnêtement, j'ai pas beaucoup fait mes affaires parce que ça me fait stresser de devoir faire des choix de ce que je dois amener à Paris, etc. Et que vraiment, je fais de la procrastination là. Hein. Voilà, comme quoi, même les gens organisés procrastinent. Donc là, je pense que je vais me coucher parce que de toute façon, je suis fatiguée. Ça sert à rien de me stresser encore plus ce soir. Puis
puis demain, on va essayer de trouver du temps. Ça s'annonce complexe. Il est 9h15, je pars dans 30 minutes, il fait pas giga beau mais il fait pas un temps pourri, et il va faire 22 degrés aujourd'hui. Genre what the fuck, ça y est, it's printemps time. Là je vois autour de moi et je me dis que ce soir je vais me coucher très tard à faire mes affaires je pense. À 10h, il y a la mise en vente des places pour Maneskin à Nancy, avec ma meilleure pote on essaye d'avoir des places. Mais j'espère qu'on va en avoir et que ça va pas coûter trop cher. Donc là je vais travailler puisque du coup je travaille à la bibliothèque de l'école. Et du coup ce matin je m'occupe de faire l'accueil. Et ensuite cet après-midi je pense que je vais rentrer chez moi pour avancer mes affaires. Et je retourne à l'école à 18h pour une réunion de tous les délégués de dernière année pour faire un petit bilan. Et enfin ce soir vers 20h j'ai des copains qui viennent, enfin quasiment tous mes copains vont venir à la coloc pour faire un peu une dernière soirée. Alors ça va pas être un gros truc incroyable mais c'est plus histoire de passer une dernière soirée ensemble quoi. Je suis dans la file d'attente pour le concert de Maneskin, je suis 800ème. Bon, on a une place, on va voir Maneskin le 6 septembre à Nancy en catégorie 2. Oui. Bon, par contre, maintenant il faut que j'aille au travail parce que sinon je vais être à la bourre. Bon, après l'euphorie de ce matin, etc., avec le concert, là j'ai un peu le contre-coup, je viens d'être recalée. Une nouvelle fois dans l'appartement que j'ai visité hier et où j'avais un bon feeling. Ça commence vraiment à me saouler, voilà. Donc là je vais faire mes affaires et du coup bah, je pense que vu que c'est sûr que je vais pas avoir d'appart pour mon arrivée, mes parents vont pas m'amener à Paris puisque ça leur fait faire un détour horrible pour rien, donc juste je vais prendre le train avec une valise et voilà. Mais c'est un peu la déprime, hein, on va pas se mentir. Là il est quasiment 15h, je pense que je vais me faire un thé, puis je vais avancer dans mes affaires parce que là faut vraiment que j'aille sérieusement. Et je repars à l'école dans à peu près 2h du coup. Ça me déprime. Vraiment là, c'est l'enfer. J'ai récupéré quasiment tout, genre ce qu'il y avait dans la cuisine et tout qui m'appartient, mais... Vraiment, ça m'énerve de pas avoir de logement parce que ça veut dire que je vais galérer pour déménagement. Ouais. Bon, allez, on va mettre de bonnes vidéos et puis on va... trier, ranger. Bon, je pars dans 10 minutes, c'est vraiment la panique parce que bah, mes parents arrivent demain et l'idéal ce serait que j'ai quasiment fait toutes mes affaires. Parce que là, je sais que c'est compliqué, à moins que je dorme pas cette nuit, c'est pas l'objectif. Et du coup, c'est un peu la panique. Oh là là, quel enfer! Ce qui est difficile, c'est que tout change, mais rien n'est prêt. Genre, normalement, c'est le moment où dans le livre, on passe au chapitre suivant. Sauf qu'en fait, la personne a oublié d'écrire le chapitre suivant. Donc là, c'est le néant. Moi, j'aimerais aborder un autre point. I'm a dumb teen boy. I eat sticks and rocks and I don't care about the government. I really need a hug. I feel so ugly. Pretend it doesn't bother me. I'm not very strong, but I'll fuck you up if you're mean to bugs. Bon, il est 00h30, finalement mes parents sont partis hier soir. Enfin, ce soir, mais genre tôt, genre vers 19h pour essayer d'éviter tous les bouchons qu'il va y avoir avec la grève générale. Parce que même si, vive la grève, et bah ça tombe au moment du déménagement, mais ça c'est le jeu de la vie. Et moi mes affaires sont pas du tout prêtes, là il reste encore quelques copains que j'ai un peu abandonnés au salon avec mes autres colocs pour avancer dans mes affaires. Et là on va faire un truc que je procrastinais de faire parce que ça veut vraiment dire que c'est la fin. On va enlever mon mur d'affiche que j'aimais trop, qui était incroyable et qui va vraiment rendre ma chambre super vide, mais genre, faut que je le fasse. Donc c'est parti.
il est 1h du matin, je vais pas vous mytho, je suis un peu éclatée. Je ne finirai jamais ce soir. Mon objectif, c'est d'essayer de libérer mon lit et d'avoir la sensation d'avoir bien avancé en faisant ça. Genre, si ma chambre a l'air à peu près rangée, c'est bon signe a priori. Donc on va se motiver et faire ça. Bon, il est 1h37, j'ai bien avancé. Je vais aller lire 10 minutes, je pense, pour me changer les idées, parce que c'est stressant, un déménagement. Et après, je vais aller me coucher, parce que demain, une grosse journée m'attend et vous attend au passage. Je pense que ça va être une bonne journée, assez difficile, aussi bien physiquement, parce que vous l'entendez, je suis à moitié malade, et mentalement, parce que bye bye. Je te dis bye bye. Bye. Bon, vous connaissez cet endroit, c'est mon mur qui est tout blanc. Mes parents arrivent dans genre 10 minutes, il faut que je prenne mon petit déj. Et après, bah, je vais pas trop tarder à partir. Pour mettre un œuvre, tout ça, etc. La réponse est non. À trouver d'autres raisons pour la vie. Je serai cette fille qui... Je viens de dire au revoir aux dames de la bibliothèque avec qui j'ai travaillé les 3 dernières années. Je viens de dire au revoir à l'association d'ouverture auquel j'ai participé pendant, pareil, toute ma scolarité. Je suis émue, je... Je plaide coupable, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bon, j'ai quasiment rien filmé aujourd'hui. Mon cerveau, il est déconnecté. Je suis fatiguée. J'ai dormi genre 4 heures cette nuit. C'est un peu la panique. J'ai passé du temps avec les gens. J'ai passé du temps à dire au revoir. J'ai passé du temps un peu avec mes parents et tout. Et pouf, forcément, j'ai un petit coup moral. Et d'ailleurs, j'ai aussi un petit coup de soleil, il semblerait, non? Ou alors, c'est mon rhume. Ah, et je me suis fait annuler mon train aussi aujourd'hui pour aller à Paris, qui était un peu prévisible, mais j'avais pas pensé. J'en ai trouvé un autre. Je touche du bois, croise les doigts, touche ma tête, touche mes pieds, saute en espérant que ça ne sera pas annulé, parce que bah va bien falloir que j'arrive à Paris. Et j'ai une visite d'appart en présentiel lundi soir. Ça fait beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de stress, beaucoup d'adieux, beaucoup de... pas beaucoup de larmes, parce que je n'ai pas encore pleuré, mais ça ne saurait tarder. La robe bleue, c'est quoi? J'ai peur, regarde, je vais commencer. Mais what the fuck? Ce vlog s'est littéralement transformé en vlog jeu de société. C'est un bon moyen d'éviter de voir la vérité en face qui est que c'est bientôt la fin. Ah, demain, pour le dernier jour de vlog, pour le dernier jour à Toulouse, pour le dernier jour dans cette coloc, dans cette chambre, enfin dans cette salle de bain au carrelage blanc et noir, dans cette chambre avec une cheminée. Avec un mur vert, ma passion. Bref, j'adorais ma chambre, j'adorais mon appart, j'adorais ma coloc, j'adore mes colocs, j'adore mes copains, j'adorais, pas toujours, mais j'ai adoré beaucoup, souvent, mon école, vive la vie. Hello, aujourd'hui c'est le dernier jour officiel à Toulouse. Ce midi je vais au restaurant avec mes parents, on va manger coréen, dans un coréen que j'aime trop. Et après sinon je pense que je vais passer la journée à ranger et à faire du ménage. C'est parti! Mine de rien, ça avance quand même. Ça fait bizarre, mais genre là, hop là, c'est un peu plus vide. These are the days I will remember. These are the faces I need. Everything changes, but I'll keep forever. These days I will remember. Il est quasiment 16h, 15h51 pour être précise.
Voilà, c'est la fin globalement. Je sais pas si vous m'entendez, il est 22h30, tout ça c'est fini. Et quand je vais faire le montage de ce vlog, je sens que ça va être dur. Mais j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je suis à la fois très triste de tourner la page et très contente d'en démarrer une nouvelle malgré tout. Merci. Bisous les copains. Profitez bien. Bisous. Bon, je vais pleurer, voilà, je...